j'ai appuyé. T'es en train de filmer là. Ah, sur le rouge. T'as pas filmé tout à l'heure. Ah bah j'ai pas filmé. Ah bah filme pas ça, tu vois pas l'intérêt. Oh putain. On est à Tarascon encore. Et là, on va vers Andorre. Là, pourquoi il tourne? Escalade à Touraine. De passer Tarascon direction Andorre, la vieille, mais sur la route, que c'est beau, il y a même un train. Toujours sur la route vers Andorre, la vieille, ça monte. Il y a une antériorité. Les toupies n'ont pas été. Ça monte, ça monte. Un soldat élevé de bien spirituel, mais très souvent, on lui a versé le sang et se remplir les poches de mort. C'est ça ce qui est passé, parce que ce sont des hommes de Dieu quand même. Et puis, on a quand même des exemples de templiers qui sont des hommes de saints. La montagne là-haut, là. Ça grimpe. Pour l'instant, il n'y a pas de neige. Ça monte là-haut, le bus.
Oui, je vois que ça monte. On va haut. Ouais, c'est très haut. Et on n'est pas arrivé en dehors. C'est bien ma petite Laura. Bon, bah on va te laisser. On va te dire à tout à l'heure. Hein? Okay. On te rappelle tout à l'heure. Ok. Ciao. Okay. Ciao, à tout à l'heure. Bisous. Ah, on est vraiment dans la neige. Oui, la neige. On est haut. On est très haut. On est très haut. On est à la sortie d'Andorre et on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dirait. Direction Hispania. Mais bon, on est à 800 mètres, 900 mètres d'altitude. Au moins, on flippe moins tous les deux. Hein, Béa ? Ah oui, parce que tout à l'heure, c'était flippant. Hein ? Oui, c'était flippant parce que c'était très haut avec la neige et tout. C'était flippant. Bon ben, hein. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce passage par les montagnes là? Ah ben, c'est très joli. C'est très joli, mais bon, ben, c'est sûr qu'en camping-car c'est un peu peur. Et avec la neige, ouais. On est surélevé par rapport aux voitures et voilà quoi. Tu veux pas que je t'explique ma femme aussi, non? Non. Ah, on a moins de col, moins de machin, mais on est quand même à 700 mètres d'eau. Envie de
boire un café, mais il n'y a pas un bar. Ah, un bar. Un bar, attention, bar tapas. Ça doit être pas loin. Et on s'en va en direction de... D'où? Barcelone. Non, pas Barcelone. Saragosse. Mais elle n'a plus envie de quitter le camping-car. Ah, bah si, quand même. Si, je serais contente quand je vais rentrer. Bien sûr que si. On doit courir dans ma maison. C'est beau en tout cas. Bon, il pleut, c'est le désavantage, mais c'est beau. Il n'y a pas à chier. À 173 km de Barcelone quand même. On aurait pu passer par Barcelone, mais on est passé par Andorre. Hein? On est revenu dans les montagnes, grâce à Béa. Ah, le paysage est beau. Hello, bonjour d'Espagne, on est à, je sais pas, quelque part, j'essaie de voir mais je trouve pas, on est encore un petit peu dans les Pyrénées là. Chaîne des Pyrénées. Là, on sort de la chaîne des Pyrénées. Là, c'est la Béa. Tu vas voir si elle est ouverte? Oui. Elle est ouverte. On va aller voir dedans.
C'est original. C'est joli. C'est joli. Bon, ben voilà. La fin des Pyrénées, la chaîne des Pyrénées. On va rentrer dans l'Espagne des terres. On va aller vers Saragosse. À plus. Les super paysages. Là, on a voulu prendre une nationale, mais apparemment, il n'y en a pas dans les parages. Donc, on reprend l'autovie. Mais. Berger et les moutons ou les brebis ou faites ce qu'on veut quoi. Ça souffle, mais ça souffle. J'ai eu mal à ouvrir la porte du camping-car. Saragosse. Donc, commencer une petite visite. On est venu en tramway. Et là, on va commencer à découvrir sont pas encore démonté le marché de Noël. Oui, non, c'est imposant ça.
Basilique del Pilar, Museo Pilarista. Basilique del Pilar. Il y a encore les animations du marché de un joli petit décor de Noël à l'extérieur. On n'a pas pu filmer à l'intérieur, c'était interdit. On obéit, hein. Joli petit décor là. Très jolie ville, le centre historique de Saragosse. Féo. Ça c'est l'église ça. Bah oui, mais on peut pas la visiter. Bah si. On était de l'autre côté. Oui, mais elle est fermée quand même. Si. On était de l'autre côté. Tout est terrible. Ouais, terrible. Una Plaza San Bruno. Bon bah on visite la vieille. Les musées c'est cher. Tu 14 euros déjà de machin, 6 euros de transport. Ah.
À force, ça devient. Ah, c'est bien joli. Parce qu'on est dans le vieil, dans le vieux Saragosse, quoi. Derrière les portes de Dieu. Ça, c'est de la porte. Ça, c'est sûr, c'est de la porte. C'est pas de la porte de PD. On vient à l'église. On va aller par là. Museo, Arco, Palacio. Ben là, on visite la vieille ville. Regarde les portes, mon Dieu. Ouais, c'est très fort. Une archive historique. On va bien voir quand même ce que c'est que ce palace. Bâtiment en face. Ouais. C'est un théâtre de
choses fermées quand même. Ouais. Ou c'est mes yeux qui ont la berlue, ou... Non. Mais la tour, elle penche. Et on n'est pas à Pise. Marché couvert de Saragosse. Il y a plein de bonnes choses. Le jambon, la ramane. Du pain. Prends-en un parce qu'on va prendre le métro si tu veux. Il est pas cher, mon homard. Ah ouais. Le kilo. Le demi-kilo. Le demi-kilo. Ouais, c'est de quoi arnaquer. Il y a déjà des, fraises. Putain, je rêve. Ouais, ça doit être terrible. En tout cas, elles sont bien rouges. Hein? Alors ce qui est bizarre ici, c'est que à cette heure-ci, là, les magasins ils ferment. Le marché. Fin visite de Saragosse. Alors, la tour est vraiment penchée. Hein. Ah bah oui, c'est bon, il faut traverser là pour aller chercher les deux. Et on va reprendre le tramway. Sol aride. Aride par le soleil déjà en hiver, alors au printemps. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu ne savais plus tellement comment elle s'appelait. Tout ce qu'on t'avait dit, elle, c'était les voisins qui t'avaient prévenu qu'elle était vraiment belle. Pour te quelques. Yeah.
on va aller vers le centre de l'Espagne, on va passer pas loin de Madrid. On est encore dans la chaîne des Pyrénées. N'est-ce pas, Madame Coelho? Oui, monsieur Coelho. Elle dit oui, mais elle sait pas, mais on y est. Quand même des sacrés paysages. Voilà bien. La Ventura.